Entre. Entrez. Oh, c'est trop stylé. Non, mais je voulais pas sortir. Enfin, je... Très bien. Ils viennent me sauver. Ils s'inquiètent. Mes amis. Et en bas, il y a de l'eau. Donc les rouages s'actionnent. Parfait. Je pense que je vais finir ce donjon et on va continuer, on va s'arrêter. Je réussis pas à... Oh, trop stylé. Je réussis pas à m'arrêter. C'est genre trop agréable, le jeu est trop bien. Ah merde. Oh. Très important de faire les bruits à la bouche. Sinon vous faites pas de dégâts, j'allais dire. Vous faites pas de distance. Vous ne traversez rien. Je vais juste vérifier que là, j'ai beau faire tout ce que je veux dans ma vie, je n'atteins pas. Ah si, je peux. Il suffit que ça me projette assez haut et... Attendez, il y a une map de la zone? Ah ouais. Dans le 1, quand tu rentrais dans un endroit en faisant par une porte ou quoi, il n'y avait pas de map. Du coup, j'étais en mode faut que je sois bien lucide. Ok, ok. C'est pour plus tard, il me faut un autre déplacement. Il me faut le grappin qu'on apprend ici, c'est 100% sûr. Enfin, je dis le grappin, mais il y a un moyen de s'accrocher à ces fleurs violettes, c'est ça que je veux dire. Et pour moi, ce sera Zelda quoi. Ouais, qu'est-ce que je vous disais, il y a encore une fleur violette, c'est obligé. Évidence même. Non, au secours. J'avais même pas regardé où je voulais aller. J'allais le refaire. Et pour le moment en bas ça a rien d'aller. Oh, trop stylé, regardez. Il avait la main Allez, comment on fait pour ça va pas assez vite pour me projeter là. Ah, lui c'est pas un vrai, c'est un méchant. Gratte-toi le crâne vite, Yen. Ok.
ça va, ils sont gratuits. Faut juste dasher quand ils font leur coup de poing. Putain, c'est vraiment des gollums, j'allais dire. Là. Putain, tu l'as dit, des gorons, voilà, putain. Voilà. Totalement goronisant. Ok, les rouages tournent. Si la roue tourne, tout va. Putain, c'est vrai. Ah ben on le fera sans le donjon. Oui. Allez, venez. On fait le mob d'abord. J'espère que vous avez entendu ce bruit incroyable qui est sorti de ma bouche. En exclusivité, pas mondiale du tout, mais en exclusivité quand même. Ah mais merde, fallait que j'aille par là d'abord. Là je vais vers le bon chemin, mais ça me rend fou. J'en ai marre de pas me tromper de route. Attends, mais c'est le début du jeu ça. Ah non, pas du tout. Mais si. Ah mais non, pas du tout. Ok, c'est un autre trou. Go faire une emote. Si seulement je pouvais faire plusieurs emotes. Ne serait-ce que 2 ou 3, ça serait trop bien. Malheureusement, ça n'arrivera sans doute. J'ai pas envie de dire jamais, mais. Vu la manière dont moi je stream, très compliqué d'avoir des gens qui restent. Je joue tout le temps à des jeux différents et des gens que les gens. C'est difficile à regarder. Mais peut-être un jour. Il faut être partenaire. Oh, mais c'est trop la bonne route, ça me saoule. Je fais demi-tour. On est d'accord, c'est trop la bonne route pour être vrai ça. Ah, peut-être pas. Hein. En fait, le problème, c'est que ces donjons comme ça, tu sais jamais que si tu fuis. Tu sais jamais si jamais. Oula. Tu peux jamais être sûr que en finissant l'endroit, tu puisses y retourner par après. Tu travailles aussi. Oui, c'est vrai. Bah, t'as des gens qui travaillent aussi, qui s'en sortent quand même. Si je m'entraînais pas, je pourrais vraiment craquer sur les streams. Alors, tous les jours, 2-3 heures comme aujourd'hui quoi. Tous les jours ce serait aujourd'hui quoi. C'est impossible. Ah, j'ai bien fait de venir ici, putain, je suis trop lucide. J'aurais fait demi-tour, ça aurait été horrible. Pouvoir. Putain, je le savais. Oh, plus les grappins, c'est tellement la vie dans les jeux vidéo, c'est trop bien. Quand il y a un grappin dans un jeu, c'est forcément bien. Mon œil droit, c'est un bâtard là tout de suite. Qu'est-ce qui m'arrive? Appuie sur LB près des crochets ou de la mousse bleue pour te projeter vers eux. Nice. Ah, la mousse bleue aussi. Ah, du coup, ils appellent ça des crochets. J'aime ce jeu vidéo. Il est trop bien. Ah ouais, celui-là il te projette, du coup c'est grappin. Celui-là c'est. Tu peux pas faire frapper, tu dois faire grappin forcément. D'accord. Ah, t'as des potes qui ont réussi sur Switch, c'est cool. Ah mais je veux rien de tout ça moi. Si c'est bien, tant mieux, sinon on n'aime pas du truc. C'est aussi ça qui fait que c'est difficile. Vu que je m'en bats complètement les steaks. Et si quelqu'un vient des fois sur le stream et me saoule ne serait-ce qu'une seconde, j'hésite même pas à lui dire de se barrer. et de baiser ses grands morts. Parce que franchement, qu'est-ce que j'en fous. Je vais aller à droite. Hein. Ah mais c'est vrai là.
Le tronc te touche. Nice. Oui. Putain, c'est tellement stylé. Du coup, c'est tout là-bas que je voulais aller. Non, merde. Dégueu. C'est bon. Aucune panique. N'ai jamais douté. D'accord, putain, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, zit. Au secours. C'est tellement facile. Putain, je suis insupportable. Non. Oh, one shot ça, je connais. Je connais ces lasers. Du coup j'ai tout eu. Ah il y a en bas, mais en bas c'est de l'eau. Je me trompe pas. Ah. Bien. On appelle gérer dans la vie. Oh là là. Si si, j'avais un petit zgoui comme tu dis à prendre tantôt avec avec le grappin, du coup on le fera et là on est dans le donjon du coup. Oh mais ça rase, c'est plus compliqué. Mais attache, pourquoi je tire avec la flèche moi, je suis trop bête. Ouais, faut que je fasse quoi là? Ah, faut que je me le mette bien. Ah non, je comprends rien. Ah ok, en fait parce que maintenant j'ai compris. C'est moi qui ai fait ça. J'ai encore le succès, c'est moi qui ai fait ça quoi. Mais je crois que là je l'ai enfin vraiment obtenu. Bon, y'a un mob normalement en bas. Ah mais il s'est tué tout seul. Ça c'est trop bien. Du coup c'est vraiment, c'est moi qui ai fait ça pour le coup, parce que j'ai même pas remarqué qu'il est mort. Et tout ça c'était que pour des bonus. Trop bien. Du coup maintenant on peut vraiment continuer le stage. Ah c'est vrai Bzit. Bzit c'est devenu vraiment la base hein. Par contre, comparé à Céleste, ce jeu a tellement plus de touches. Faut savoir où t'appuies. Hein. Non mais là où je suis déjà allé. Yes. Et là aussi. Putain, je sais même plus, j'ouvre la carte toutes les secondes. C'est là en bas et là que je veux aller. Ah! J'ai oublié que je devais faire gaffe. C'est pas si évident que ça de faire attention. Ah, il va me donner la carte. Ah, oh. Donne. Ah, oh, mais j'aurais. Bzit.
J'aurais plus 2200. Bienvenue au moulin de la source, c'est d'ici que proviennent, ou du moins provenait, toute l'eau. Nanouche. Avant, j'étais un peu nerveux à l'idée de cartographier tous ces rouages, et s'ils recommençaient à tourner d'un coup. Mais ils sont immobiles aussi... Ah, blablabla. Mais ils sont aussi immobiles qu'une limace baveuse endormie depuis si longtemps que ça me semble peu probable, sans doute. Acheter une carte. Oh. Très bien. Ah mais cette porte, ça mène là, et du coup ça, c'est l'intérieur de ça, quoi. Ça c'est le moulin, ça, on est d'accord. Je confonds pas. Yes, parce que je t'ai descendu ici tantôt. Ok. Moi, jusqu'où je peux aller avec les coins de la carte. Ah mais je crois qu'elle s'ouvre pas tant que t'as pas débloqué les trucs, quoi. Parce que c'est bizarre. Ok. Ok, du coup là je dois aller là-dedans. Ah bah non, il y a ce passage en bas. Comment il marche ici? Il y a un passage là. Je peux pas le casser. Et de l'autre côté, c'était possible ou pas? Ah non, c'était le toit de tantôt, mais là je pouvais pas monter parce que... Putain, faut que je retourne au tout début pour faire ça à gauche et à droite. On y va, je suis désolé. Hein. C'est le 100% ou c'est pas le 100% qu'on fait? En vrai, ça va aller vite. Parce que je sais exactement où c'était. Et que maintenant, se déplacer, c'est devenu tellement simple. Et là il va tout casser. Ah non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah. En plus ça fait un raccourci, du coup quelque part on avait raison. Oh, c'est trop bien. Oh, y a pas une chose où j'ai pas dit c'est trop bien depuis le début du jeu. Oh si, j'ai quand même dit pas mal de fois que c'était de la merde. Du coup ça s'équivaut, non? Ça se juxtapose, j'allais dire. Ça se juxtapose. Je suis fatigué, hein. Ça se juxtapose, tous ces commentaires positifs et négatifs, franchement. Moi je trouve ça bisextile quand même. On entre. Ah ouais, mais il y a aussi l'extérieur à faire et tout. Mais c'est compliqué ce jeu. On va parler à Croc. C'est lui, non? Mais parle-lui. Non, c'est Toc. J'ai faim. C'est sûr, ce n'est pas fait pour les voyageurs comme moi. Ces roues me chamboulent complètement. Je ne serais pas ici si je n'avais pas perdu ma boussole la dernière fois que je suis venu. T'as de l'inspi ce soir. Je suis trop heureux. C'est un jeu qui me tient trop à cœur. Mais en fait... Il me tiendrait pas aussi à cœur si je lisais pas mes livres avec l'OST de ce jeu. Genre j'ai vraiment l'impression d'être dans une féerie de fou parce que j'adore lire des livres d'histoire. Je lis de temps en temps des livres physiques et médicales aussi parce que j'aime bien le sport et même comprendre certains trucs. Mais j'écoute pas de musique quand je lis ce genre de trucs. Et pourrais-tu m'aider à la retrouver? Il me semble que je l'ai fait tomber derrière cette porte là-bas. T'as fait tomber quoi? J'ai pas écouté. Je suis un connard. J'aime bien, j'ai fait tomber mon biquet 4 couleurs derrière
Juste sous la table là-bas. Et puis tu vois la caméra qui panne. Et ça passe à travers un champ de mine, un volcan. Trois putains de sous-marins qui sont en train de se tirer dessus. Et puis t'as une bête, t'as un petit bureau avec un bic à quatre couleurs. Tu peux même le chercher s'il te plaît. T'es là. Wait a second. T'as toujours pas trouvé cette boussole. Moi je suis littérien. Tu lis rien du tout. C'est pas grave. Tu sais. Faut savoir lire déjà. C'est pas facile. Pas fait pour tout le monde. Hein. Lire. La lecture. Faut être allé à l'école et tout. C'est pas évident. Dire moi je comprends que les gens puissent pas lire quoi. C'est un connard cet homme, non? J'ai de remarquer. Comment ça? Je rigole. Mais je rigole, wife. C'est juste que je suis connard quoi. Mec, j'en veux plus d'excuses. Connard quoi. Non mais bisous sur toi, je plaisante. C'est, ça m'est venu tout seul de mal parler, je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'était gratuit. Putain mais moi je me sens mal trop vite quand je suis un connard. C'est vraiment pas fait pour moi. Mais j'ai des potes. Tu sais, c'est surtout que c'est pas fait pour moi, mais c'est ça où tu ne survis pas avec mes amis. Parce qu'on est très taquins. Mais moi, très vite, je me sens baisé d'avoir été un enfoiré. Sauf avec certaines personnes qui, des fois, elles méritent de prendre cher un petit peu. Mais je vais où là? J'essaie de faire quoi? Je comprends rien. Il y a trop de chemin dans cet endroit. En fait, il est beaucoup trop aérien. J'ai l'impression que cet endroit, par exemple, je l'ai déjà fait. Mais ouais, putain, je l'ai déjà fait. Je suis revenu vers le bas. Ah, c'est un raccourci maintenant. I got you. I see what you did there. Oh, je vais mourir. Ouais, c'est un raccourci. Maintenant, on est là. Et du coup, je peux remonter avec ici. Ouais. Aïe, bah, c'est génial. Mais. Je suis obligé de mourir. J'étais bloqué. Le jeu, je vous avais dit que c'est un jeu de softlock. Hein. Le 1, tu pouvais baiser ta sauvegarde. Et devoir tout recommencer. Bah c'est pas pour rien. Karma. Non mais c'est un jeu baisé, il marche pas le jeu. Tout le monde le sait. Personne n'est dupe. Je déteste ce jeu. Oh non mais... On sent la panique ou pas? C'est tellement facile de récupérer cet argent. Je suis bugué ou pas? Non, c'est bon. Karma Ted. J'avoue que je me suis un peu fait Karma Ted. Ah, mais non! Pardon. Je me moquerai plus, ouais, pas promis. Ne me karma plus le jeu. Il faut aller où avec toutes ces bêtises? Merde. Je suis mort. Ah, non, c'est bon, je n'ai pas fait trop karma là. Minerai, j'ai compris. Je connais quoi, je connais le jeu. Mais pourquoi il m'attaque plus ce bâtard? Ouais, il lui arrive. Il est mort. L'argent. Merde. Je comprends que je sois gênant. Vraiment. Pardon. Il est mort. Et du coup, je vais où maintenant? Mais pas vers là. Oh! Là-bas.
Je suis revenu au point de départ. Tu n'as toujours pas trouvé cette boussole. Et j'y retourne. C'est génial. Le mec, il fait tout le tour de l'univers, il revient au... avec un bras en moins, à limite mort, tu sais. Et puis il est là. C'est bon, j'ai ta bouse. Ah non, merde. C'est parti, pourquoi encore? Si, il sait même plus. Oh, quelle tristesse. Oh, il y avait un grappin, j'étais même pas obligé de faire le mec ce qu'il est. Ça s'est super bien passé. Ah, mais ça, faut pas interagir avec ça? Attendez, comment on repart sans devoir faire le combat? Je suis obligé de refaire tout le chemin? Mais c'est pas possible. Oh là là. Non, j'y crois pas. Et... c'est bugué, il y a un truc. Ils ont oublié de développer le retour. Ils se sont dit c'est pas grave, on développera le retour après. Et puis ils ont juste oublié de le faire, c'est pas grave. Je leur en veux pas, personne. Ça peut arriver à tout le monde. Mais merde. Ok, tout ça c'est fait. Ce petit coin c'est fait aussi. Du coup, boussole maintenant. Je pense qu'on est tous d'accord. Let's go. Adieu pour sortir. What? Oh, je sais plus lire. C'était appui. Salut Moki. Ça fait longtemps d'ailleurs. Oui, l'exploration, c'est plus dur que je le croyais. Surtout sans sac pour porter. Oh, mais c'est un gros sac que tu as là. Je peux l'avoir? Oh, merci. Tiens, je te donne mon sac d'herbes en échange. Il est vieux, mais les herbes qu'il contient sont fraîches. Très fraîches. Ah, ce sera pour l'ours. Sac d'herbe. Tu as trouvé un nouvel objet de quête. Une odeur piquante émane de ce petit sac. Salut Kélazar. Comment ça a été ta petite cesse sur Netflix? Du coup, faudra que je trouve quelqu'un qui aime bien les sacs à main. On va reprendre la quête de la boussole. Là. Pourquoi? Avec ça. Parler à Moki. Non, bah, c'est bon, on a parlé à Moki. Adieu pour sortir, ça aurait été si drôle. C'est vrai que ça aurait été marrant. Tu veux mourir, faut en finir avec ta vie. Enfin, putain, avec ce que je viens de dire. Tu veux mourir, faut en finir avec ta vie, mais putain. Tu veux sortir. Tu sais, le mec, pour mourir, faut décéder. Bah, sans blague, Billy. Mais merde, je suis mort. Crache-moi dessus, Billy. Ah ouais, tiens. Alors, t'aimes bien qu'on se crache dessus? Tu veux qu'on se tire l'oreille? Let's go, man. Mais t'es con, mais con, je te dis. Ça va, hein. T'es pas obligé d'être. Ah! D'être méchant. Hein. Failli mourir, ça aurait été sale. Je suis où? Ok, là, on va aller à gauche d'abord pour le bonus. Hé! Combat! C'est facile, je connais le jeu vidéo. Voilà, c'est carré pour taper. Hein. Ouais, c'est ça, c'est carré pour taper. Je connais. Carré pour taper. Hein. Ouais, c'était bel et bien carré pour taper. Ça, je connais le jeu vidéo. Oh, il y a des trucs chantés avec nous. Oh là là. Oh!
c'est notre ami, j'ai déjà oublié son nom. J'avais Moulin, oh oui. Un vrai labyrinthe, mais ce n'est pas le moment de traîner. La route est encore longue. J'ai des connaissances à découvrir. À toi et au Moulin. Et coincé, mon ami. À décoincer, bien sûr. Je crois qu'on se gratte le torse. Ah, c'est Rafiki, c'est ça. Et une amie à trouver. Si j'ai besoin, bonne chance. Il n'y a pas une minute à perdre. Si tu te souviens plus de son prénom, ils s'appelleront Guillaume. Et nous, on l'appelait Rafiki, comme le chimpanzé dans le Roi Lion. On fait trop penser à lui. Et tu sais, Rafiki, il est un peu starbé quand il parle, tu sais, il est complètement... Même dans le dessin animé, tu sais, avec Simba, il est toujours un peu décalé quand il parle. Et des fois, Simba, il va lui parler et t'as l'impression que c'est le doc dans... T'as l'impression que c'est le doc dans Retour vers le futur, tu sais, il est là dans ses expériences, tu comprends pas trop ce qu'il fait. Et puis, il répond à côté et eux, ils sont là en mode, ok... Ouais. Fait trop rire. Il est perché de dingue, ouais. Complètement possédé, Rafiki. Hein. Et c'est quand même lui le doyen de l'endroit. Pour te dire comment c'est foutu de merde, hein, leur endroit. La forêt du roi, là. Si c'est ce type-là qui doit gérer, c'est perdu, tu vois. Mais la clé à la porte directe. Il est là, il chope son fils, il te met du rouge sur le front, il est trop motivé. Or qu'au final... Oh, tu craches pas, je t'attaque. Est-ce qu'il faut que je redescende ou pas? Ah oui, pour passer à droite. Ah non! C'est bon. Mais lâche, bordel. C'est dommage que ce soit pas une touche pour m'agripper quand même. Hein. Parce que là, il s'agrippe automatiquement des fois pour le faire lâcher, c'est chiant. Non mais pas là. Non mais pas là, Billy. Non mais pas là, Billy. Merci. C'est moi ou en bas il y a... Attendez. C'est quoi ça? Après c'est violet. Normalement il y a un laser qui sortirait de là. Et là faut aller où? Ah ok. Ok. Et il se plaint. Ah merde! Fallait peut-être pas que je fasse ça, non? Zit. Pourquoi je suis là? Ah merde, mais c'est baisé. Mais j'aurais peut-être dû fouiller avant de tourner la roue. Ah merde. Ah bah maintenant il tire. Ah bah génial. Tu vas me dire que ça se casse pas. Ok. Voilà, cette fois avant de tourner, je vais jeter un coup d'œil. Mais jette un coup d'œil, bordel! Merci. Ok, il n'y a aucun coup d'œil à jeter. Bah, au moins maintenant c'est clair. On fait tourner. Ah là là. Le jeu est tellement bien. Et ça tourne, et ça tourne. Ok. Putain, mais ça. Ah, à chaque fois il me ramène au début, j'ai l'impression de pas progresser, c'est horrible. Bon, en bas ça tire à l'infini, c'est ça? Ah merde, non, je suis mort, adieu. Pardon, j'ai pas fait exprès de décéder. Je voulais voir ce qu'il y avait, on pouvait pas savoir. Je suis curieux, vous savez. Mais ça pique. Ça pique d'être curieux. Y'a quoi par là? Par là y'a rien, je peux pas remonter. Je suis mort. Ah mais en fait il tire à l'infini. Bah génial. Je suis passé juste en prenant le laser dans la gueule de esquiver, c'est trop marrant. Bon, c'est pas grave.
Ah, vraiment que j'aille par là. Alors attendez, on va aller vers le haut pour voir s'il n'y a pas un truc. Pauvre Billy. C'est vrai qu'il prend cher notre Billy. Hein. Viens. Pourquoi? Alors, je vous jure que dès que le rayon s'est arrêté, j'ai pas arrêté d'appuyer sur L1, il est jamais parti, et dès que le rayon est revenu, il est parti, tu vois. Oh, le pire connard, quoi. Parce que vous allez dire, mais il est con. Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'y aller au moment où il y avait le laser? Bah ouais, je suis pas débile, tu vois, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Le mec, c'est marrant. T'as décidé d'y aller au moment où c'était pas safe. Connard de vie, quoi. Karmadette fois 76, carrément. Ah, petit minerai. Ah, vous avez... ah voilà, j'allais dire, il n'y a pas eu l'animation que j'ai eu le minerai, parce que j'ai sauté direct. On dira pas, il est con, mais il a des difficultés. Shit. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, en vrai. Il est différent, vous savez. C'est pas vraiment le même être humain. On a tous connu ces moments où on essaie de faire un truc et la manette est en mode non. J'ai dit non, Billy. Y'a rien par là? Ok. J'ai oublié d'aller en bas. Ok. Oh là, j'ai réussi. Oh, je suis trop fort. Pouette, 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 pouette. Ah mais par là c'est la bonne route. C'est pour sortir. Bah ouais, je remonte et je pars par là. Du coup bien entendu on n'y va pas. On va redescendre par ici. Normalement je l'ai déjà pris, ouais. Et là si je monte, il se passe quoi? Ah bah c'est le début. Attendez, il doit y avoir un truc. Ah non, je suis vraiment revenu au début. On sait jamais, hein. Peut-être qu'il y aura un truc caché. Ah bah génial. Orientation, putain. Mais non, mais je sais que c'était le début, mais... Vu que j'ai fait pivoter, je me suis dit peut-être qu'il y aurait un truc différent. Lucide, ouais, fort. Bon, après, vous avez le droit de me troller pour rien. Non, en vrai, j'ai une très bonne orientation. Je savais très bien. Non, mais quand je joue pas, je suis pas orienté, ok. C'est un truc que je peux dire, c'est qu'en vrai, j'ai une bonne orientation. En général, même s'il y avait pas de map. Je suis sûr qu'on serait aussi avancé dans le jeu que on l'est tout de suite. Parce que moi je regarde la map souvent, mais c'est justement parce que je suis en mode je veux rien rater, tu vois. Du coup je veux vérifier si la map me montre pas un recoin ou quoi, parce que ça c'est pas une question d'orientation, c'est une question d'observation, et des fois t'es en mode il y a des lasers partout, mourront pas. Oula. Merde. Oh, il m'a mis une sépêche. Karma dans 3, 2, 1, il m'est rien arrivé, ok. Ah merde, bon là je vais mourir, mais ça comptera pas, d'accord. Oh, je vais me faire karma tête. Ah, c'est bon. Aucun doute. On devait pas retrouver la boussole d'un mec, petite baffe quand même. Ah merde, il y a eu la baffe. Putain, fais chier. Il m'a mis une patate. Je me suis fait baffer exactement. Mais on n'a pas retrouvé la boussole du mec. C'est pas un peu ce qu'il fallait faire en plus d'ouvrir. Attendez, je vais pas trouver une boussole moi. Toc a perdu sa boussole quelque part vers la source. Ah bah merci, quelque part vers la source, génial. C'est ça? Oh, j'ai voulu passer, ça aurait été marrant de mourir écrasé.
Si, c'est vrai ça. Ah merde, j'ai raté le trou. Ah, c'est marrant, hein, raté le trou, lol. Je pourrais descendre, voir s'il y a un truc. Ah, mais non, elle est là-haut. C'est ça. Ah non, pas du tout. Ah si, aiguille de fer. Placée dans l'eau, elle pointe vers le nord. Parfaite pour retrouver son chemin. Là, c'est stylé, ça. Mon grand-père, il avait un truc comme ça qui indiquait le nord. Eh, vous avez déjà eu en main ces vieux détecteurs de métaux ou ces deux tiges cheloues qui bougent un peu, là? Alors, ça marche avec des aimants, mais c'est tellement à chier. J'en ai déjà eu en main, gros. C'est tellement de la camelote. Tu demandes comment ils ont fait pour faire quelque chose avec ça, quoi. Oh, la pire merde. Ouais, non. Sérieux? Ah bon, mon grand-père au bled, il a tout et n'importe quoi. Hein. Bon, tiens, ta boussole. Tu l'as retrouvé? J'ai une dette envers toi, voyageur. Je suis un esprit. Tiens, prends ça. Petit minerai. Bon, tu répares la Moulaga? Oui, oui, promis. C'est bientôt fini. Il manque une partie dans... Mais ça, faut que je vois c'est quoi. Oh, il a mis une gauche. J'étais pas prêt. Aïe. Ah, c'était ça? Ok, c'est un fragment de vie en fait. Pourquoi c'était jaune alors? Enfin, ça avait la même forme, j'avoue, mais. J'aurais préféré une autre couleur quoi. Pour que ce soit plus clair. C'est psycho. Putain, mais ouais! C'est psycho quoi, j'avoue. C'est tous un peu des Pokémon, j'y avais pas pensé. Il est un peu le bec psychoquac. Hein. Alors attendez, parce que là je suis un peu trop allé dans ce. Qu'est-ce qui m'arrive? Avant d'aller là-dedans. Ok, je voulais vérifier. Non, il n'y a rien de spécial. Là à droite, il y a un truc. Du coup, là je fais le tour, j'arrive là, je chope ce truc, je vais là. Non, mais ça c'est déjà fait. Ok, du coup, en fait, j'ai rien d'autre à faire à part progresser. Ok. On l'a refait. Ok. Ouais, donc là, on va par là, blablabla. Ok, j'ai rien d'autre à faire à part progresser. Mais j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a à gauche. Avant d'aller là-haut. Rien du tout. Mais je vous déteste. Le pire, c'est qu'on s'en sort très très bien. Calmez-vous. Il a failli atterrir sur les pics, j'étais en mode what. Attendez, on va aller là, y'a rien du tout. Intéressant, on pourrait aller là. Sérieux, il n'y a même pas un petit mur illusoire là pour faire genre seuls les vrais le savent. Tant pis. D'ailleurs, si tu chopes un jour un osselet, un jour appelle l'orphelin, comptable, pauvre. Ah oui, mais c'est classique hein. Tu l'appelles orphelin et moi je l'appelais comment encore? Je l'appelais Rémi. Rémi sans famille. Lui et son crâne de sa maman. Oh le petit. Vous avez vu? Ça c'est une technique de speedrun. Petite auto-attaque pour gagner 2-3 cm d'airtime. Vous pouvez pas comprendre si vous êtes pas speedrunner. Ah ça c'est une course. Ah oh, d'abord on va prendre ça quand même.
Ah mais je peux plus remonter, d'accord. Tu as obtenu le... Hein, tu as obtenu un nouveau fragment spirituel, super grappin. Ça fait quoi? Harponne un ennemi par saut. Ah. Ah ouais putain, je peux harponner des ennemis. Ouais mais bon. C'est un peu accessoire quand même. Ouais mais bon, est-ce que vraiment je retourne faire la course maintenant? J'ai la flemme, putain, je dois faire tout le tour. C'est chier, y a pas de raccourci dans ce jeu. Bon, pardon. Ah merde! On va le faire vite, promis, regardez. Mode speedrun. Merde. Trop marrant. Oh. Ah mais envoie-moi dans le bon sens, bordel, voilà. Oula. Laisse-moi tranquille. Donc on fait cette course. Alors je suis Tanguy, j'ai 17 ans et je speedrun. Regardez. Comment ça? Mais c'est comme tantôt, en fait, on se fait avoir. Ici, c'est l'arrivée. Et en fait, faut aller au départ qui est là-bas. Mais pour faire le départ, faut être arrivé à l'arrivée une fois. Et après, le jeu seulement, il te laisse faire la course. Et en fait, tu comprends jamais ça. Et t'arrives à chaque fois à l'arrivée, t'es en mode, elle est où la course? Mais quel jeu de chiasse. C'est une arnaque, ça, je reconnais. Mais on est d'accord, on va pas, c'est pas la première fois qu'on se fait avoir. Allez, Rakiti, explique-nous. Ah non, c'est Navi. Une grande bibliothèque se trouvait autrefois à la source, Ori. Le savoir coule entre ses murs comme de l'eau. Look there. Maintenant, une grande partie de ce qui existait jadis est perdue. Et l'eau ne coule plus. Mais qui a l'idée de faire une, de mettre une bibliothèque dans un moulin plein de flotte? Appuyez pour sortir. Cette fois, je l'ai bien dit. J'ai juste pas dit appuyer sur. Appuyer quoi. Ah oui, c'est vrai. Les légendes étaient parfaites, étaient vraies des fois. L'esprit, bibliothèque, la source. Regarde cette montagne de savoir. Mais il y a eu trop chaud dans les parages. De présence fétide. Tu ne la sens pas? Ça pue, mon ami. Elle a l'air de venir d'en haut. Là-haut. Là où personne ne peut aller. Vas-y, je lis les livres. Tu vas améliorer tes compétences? Vite, avant que je lise les livres. Mais t'as pas le triple saut, enfoiré. Ah, quoi que le triple saut, c'est 2002. Du coup, il me reste 1003. Je peux m'acheter... J'allais dire, bah, je peux m'acheter une compétence à 1600, hein, logique. Le marteau crée une onde de choc. Je peux acheter Navi ou Shuriken Man. Mais en vrai, j'utilise pas ça. Ah, je peux acheter Navi pour la référence du 1. Alors, vas-y, j'achète quoi? Vous avez une idée? Ou alors j'achète rien et j'améliore mes glyphes plutôt. On pourrait faire hommage à Shadrin et prendre la Shuriken parce que c'est un ninja. Ou alors on fait hommage à Navi, on rachète la puissance de Navi. Quelque part, Navi, c'est du free DPS parce que je crois qu'elle attaque toute seule. Le mec se parle d'un truc maléfique légendaire et tout, et après... Et puis si tu veux de la compétence, psst, la cam. Oh là là. Vu que je viens d'arriver et que ton idée de Shuriken seems cool. Ok. Même pas chercher à comprendre. Le fait qu'il vient d'arriver... Il vient de me dire, si tu l'achètes pas, t'es un connard, quoi. Je peux pas t'apprendre tout, tu sais, alors tire-toi. Mais j'ai entendu parler d'un lieu de savoir, le savoir ancestral des esprits. On dit que seuls les plus observateurs peuvent y accéder. Bonne chance. C'est comme Bon Chan dans One Piece. Alors on va voir tout de suite c'est comment la compétence. Sinon on se dit qu'on a fait ça pour rien. Oh, c'est trop bien. Ça consomme un peu de mana, mais c'est cool. Je vais la mettre à la place de l'arc. Comme ça, triangle, je garde la régène.
Ok. Non, j'avoue, c'était bien. Mais de toute façon, toutes les compétences sont sympas. À quoi ça sert de monter ici? À rien du tout. Oh, je peux acheter le triple saut en me téléportant. Trop bien. Mais on va se téléporter à acheter le triple saut. Juste parce que... Merde. Ils sont plus là, les vendeurs? Ah non, c'est parce que je suis en mode... Non, ils sont 100% là. Parce que je suis dans un écran de téléportation, il n'y a pas tous les... Il n'y a pas toutes les... Il n'y a pas toutes les... Légende. Le boomerang dans Zelda. Mais en fait, le jeu, c'est Zelda. Il y a le grappin, il y a tout. C'est Zelda, le jeu. Faut pas chercher à comprendre. Ma compétence. Z. Triple saut. Nice. Alors, vous allez voir, le triple saut, c'est de la merde. Hein. C'est genre... Hein, ah, merde. Je l'ai pas équipé, putain, c'est vrai. Je vais l'équiper. Et où? Comment tu fais? Je sais plus. Comme ça. Je vais retirer la défense. Ah non, je vais retirer aimant. Trop bien. Vous allez voir, c'est de la merde. On pète plus fort, mais des fois, ça aide à arnaquer le jeu. 11 barres. On retourne finir le donjon. Je suis trop blindax en point de chaîne, j'avoue. J'avoue que ici, on a tous un milliard à rien foutre avec. Zelda connaît pas, putain. Zelda, c'est un peu horrible. Tu sais, la prochaine fois qu'on va jouer à Zelda, je connais, ça c'est horrible. C'est un truc horrible. Putain, mais regardez, il y a un truc là. Ah, mais c'est pour ça qu'on peut aller là-dessus en fait. Lui il vendait quoi? Des armes. Lui il vend des armes. Du coup il sert à rien. Là il y a la flotte putréfiée, du coup ça sert à rien d'y aller. Là, je suis trop content d'avoir le triple saut, je sais pas, ça j'aime bien. Avant d'aller là parce qu'il y a le boss, on va checker ce qui se passe par ici. Un minerai. T'as 23k points de chaîne, eh ben, ça montre à quel point tu es la meilleure. Faut aller où? Là-haut, bordel. Appuyez pour sortir. J'espérais que je puisse m'accrocher tout de suite au truc. Ok, on va combattre quoi, votre AI? On va voir ça tout de suite. Quoi, y'a pas de combat? Si, obligé. Y'a un truc horrible qui va pop là. Vous êtes? Patouche. Ah, Simba. Au revoir. Je veux pas mourir, je vous jure. Oula.
Ok. L'eau s'est remise à couler. Elle est vive et claire, propre et limpide. Tu es tellement courageux. Si courageux. C'est notre Billy. Nous devons prévenir Qualloc. C'est beau. Ils sont tellement heureux les Suricat Noctali Pokémon. Noctali Pokémon. Nouvelle quête. Nice. Ah, c'est bien, bordel. C'était tellement stylé. Putain, on l'a passé du premier coup. Je me rappelle dans le 1, l'arbre, c'était tellement moins gratuit. Ah, c'était bien. Des Noctali. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est parfait. Putain, c'était trop cool. Trop stylé. Trop stylé. Ah, putain. J'ai même pas envie d'arrêter de jouer. J'ai envie de continuer toute ma vie. Ah merde, je peux pas taper dans l'eau. Au secours. Ah, des pics. J'étais en train de regarder tellement le minerai que j'ai pas cherché à comprendre qu'il y avait des pics. Allez, je suis sûr qu'il y a le temps. Ah bah de toute façon on peut. Il y a de l'eau. Enfin, il y a de l'air. Ouais, il y a encore un passage. Hé, hey, je te baise. Mais c'est enfoiré. C'était un ennemi explosif. Ah merde, c'est vrai que j'ai plus aimant du coup. Après aimant t'en as pas trop besoin si t'es fou, si t'as plus besoin vraiment d'argent dans le jeu. Ah merde, c'était encore un ennemi explosif. Mais j'ai plus trop besoin du... Comment dire? Là j'ai pas vraiment besoin du triple saut. Je peux m'en sortir avec deux. Du coup je mets aimant. Comme ça pendant que je tue les ennemis c'est plus simple. Qu'est-ce que je... C'est vrai que j'ai plus le triple saut. Je viens de le dire et j'ai déjà oublié. What the fuck are those enemies, man? Ah, c'est vrai que j'ai plus les flèches, j'avais shuriken. La shuriken c'est bien. Hein. On a marre de mourir, on peut arrêter. Je vais reprendre l'arc. Mais j'essaie d'aller où là? Putain c'est long. Bon je pensais que c'était un vite fait. En fait je voulais plus vite fait prendre le bonus, faire la course et puis c'est bon, au revoir. Salut, salut les amis. C'est plus long que ça. Au secours. Pourquoi je m'accroche jamais là où je veux? Ah merde! Ah ouais! Genre piranha et tout! Aïe! Vas-y go! Vite, 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 vite! Oula! Ah merde! Je peux pas péter! Ah si, lui il va le péter pour moi! Vite! Crash, crash, crash! Mais quoi? Tu fais caca dessus. Je pensais que son truc vert pèterait le mur. Il faut qu'il tire plus haut. Voilà, merci, bordel. So close. C'est vrai que je suis mort. J'aurais pu serrer les fesses, quoi.
Y'a nulle part où je peux m'agripper là. Ah mais si, faut qu'il me tire dessus, j'ai compris. Faut que lui, il me tire dessus dans un angle de lucidité. Et là je suis en mode, ah merde. Oh bah ça, c'est impossible. Bon, on va aller voir ce qui se passe. What the fuck is this? Ah, c'est de l'argent. Ah, en fait, je suis en train de faire la suite, c'est cramé. Oh. Il y a trop de choses. Trop d'endroits où je peux aller. L'argent. Ah ok, je fais le tour et je pète l'explosion et l'eau et toute la vie, machin. On voit le gros blob qui est en train de bloquer l'arrivée d'eau. On voit où il est. Je peux pas aller là-haut avec ça. Oh, c'est trop. On va juste faire le tour alors. Aïe, ça fait mal ça. Mais c'est juste ton corps, bordel. T'avais ce monstre. Ah, mais je peux pas faire d'attaque sous l'eau. Comment je fais? Aïe. Ouais, je me fais mal. C'est tellement beau, par contre, t'as raison. Et là, par contre. Ah, mais. Nuck! Je suis mort. Appuie longuement sur A pour nager plus vite. Bah sans blague. Adieu. Non, je peux respirer vite. Putain, mes pires vies. Et je... suis condamné à être sous l'eau. Pas loupé un sort. Là non, on est sorti du truc, on allait jouer. En vrai, c'est juste chelou. Mais là, il faut qu'il fasse un arc de cercle. Voilà, pour casser le mur. Quoi, ça a pas cassé le mur? Pire jeu. Arc de cercle mieux là. Oh là là. Ça c'est bon ça. Merci. Mais laisse-moi tranquille, jeu de merde. Tire mieux, mais tire mieux. Tire mieux, bordel. Il va rater. Oh, vas-y. C'est horrible. Il tire tellement mal. En plus, il l'a... Ah non, il l'a pas pété. C'est-à-dire, il l'a finally pété. Merci. Ils prennent tellement 1000 ans pour retirer quand même. Et là, je fais comment? Je lui fais tirer. Bon, d'accord, je sais pas ce qu'il faut faire. Parce qu'il peut pas tirer là, lui. Ah, mais si, je sais, je suis trop bête, 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 idiot. Ah non, je sais pas. Si, je sais. Je sais ou je sais pas? Si, je sais, c'est que je suis trop. Putain, je savais. Je pouvais m'en sortir mieux depuis longtemps. Et rediriger. Mais pourtant, je m'en suis sorti sans même diriger moi-même les tirs. Comme quoi, je me suis amusé à faire des arcs de cercle valides et tout. Alors que c'était même pas nécessaire. Mais du coup, lui, je peux. MDR. Génial les explosions, j'adore ça. J'adore quand ça explose et que je meurs. Bon. Dans la roue, il n'y avait pas des trucs. Il n'y avait pas un passage où... On dirait pas. Par contre, du coup, on peut essayer de choper le bonus là. En nageant comme un attardé. C'est impossible. Ah, c'est impossible. Aïe.
peux pas me suivre. Comme ça en fait je l'utilise pour qu'il me... pour traverser. Oh c'était tellement lucide ce que j'ai voulu faire mais je suis trop nul, je suis mort à Dieu. Ce serait passé en vrai. Hein. Si le jeu était... si le jeu était pas aussi difficile. Si le jeu était bon en fait. Si c'était un bon jeu, c'était gagné. Après on peut pas trop lui en demander non plus. Il fait déjà beaucoup d'efforts. Je suis censé aller où? Bon en vrai je vais m'arrêter là parce que... parce que soyons honnêtes, je voulais m'arrêter après le moulin, puis j'ai été happé par la flotte qui est trop stylée. Je vais m'arrêter là, sinon on s'en sortira jamais. Et si on s'en sort pas, c'est plus possible. En tout cas, la fin là du la course poursuite était tellement stylée. Ah, il est grave tard en plus, et le jeu était trop bien.